Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette séance d'information qui porte sur la vision de développement du groupe Custo pour une partie du secteur de l'ancienne Dominion Textile, ce que nous appelons communément la CS Brooks. Alors, mon nom est Claudia Fortin, je suis directrice communication, technologie et services aux citoyens à la ville de Magog. Je vais agir à titre d'animatrice et de facilitatrice pour la soirée. Alors, avant de céder la parole à nos intervenants, j'aimerais vous expliquer la façon dont va se dérouler la soirée d'information, qui est également télédiffusée sur les ondes de Nous TV et webdiffusée sur les médias sociaux de la ville. Alors, nous débuterons par une période d'information lors de laquelle nous avons différents intervenants qui vont prendre la parole. Cette première partie de la soirée devrait durer environ 40 minutes. Ensuite, on voudra vous entendre. La parole va être à vous pour la période de questions. On a prévu environ une heure pour la période de questions. Alors, je vous rappelle les objectifs de la soirée qui sont de vous donner de l'information sur le projet de développement et de mise en valeur du site. On souhaite également vous présenter les modifications à venir au règlement de zonage pour élargir les usages autorisés dans le secteur. Et évidemment, on souhaite répondre à vos questions. Alors, je vous présente maintenant les différentes personnes qui prendront la parole ce soir. Au centre de la table, on a les représentants du groupe Custo. Donc, M. Denis Custo, président du conseil, M. Charles Custo, président, et M. Jean-François Poulin, urbaniste et vice-président planification et développement urbain pour le groupe Custo. De part et d'autre de la table, nous avons Mme Véronique Anger, directrice planification et développement du territoire à la ville de Magog. Et de l'autre côté, M. Jean-François Damour, directeur général à la ville de Magog. On a également des ressources de notre équipe du patrimoine qui sont présentes dans la salle ce soir, qui seront très attentives tout au long de la soirée aux commentaires qui seront émis. Et nous avons également des représentants du conseil municipal qui sont présents aussi dans la salle à titre d'observateurs qui vous écouteront également attentivement ce soir. Alors, avant d'aller plus loin, j'inviterai notre mairesse, Mme Nathalie Pelletier, à prendre la parole. Alors, bonsoir. Merci de prendre votre temps en ce jeudi soir pour participer à cette séance d'information. Nous organisons cette rencontre par souci de transparence et conformément à notre politique de participation citoyenne. Nous souhaitons vous donner un maximum d'informations concernant la vision de développement du groupe Custo, propriétaire du site pour une partie de l'ancienne Dominion Textile. Ça fait un bon moment que nous souhaitons que les choses bougent dans cette partie du quartier des Tisserands, qui fait partie intégrante de l'histoire de Magog. Nous savons aussi que vous attendez ce moment avec impatience. Vous êtes curieux de savoir de quelle façon ce site reprendra sa place au sein de notre communauté. C'est pourquoi nous souhaitons partager l'avancement du projet. D'autres événements de participation citoyenne seront organisés ultérieurement à ce sujet. Ce que vous allez entendre ce soir est la vision globale du développement du site dans une perspective de mise en valeur et de revitalisation. Le projet va se préciser dans les prochains mois. Je tiens d'ailleurs à mentionner qu'aucun projet officiel n'a encore été déposé à la ville. Je souhaite remercier Messieurs Custo et M. Poulin pour leur ouverture à participer à cette soirée. C'est également parce que nous avons à cœur la revitalisation de ce quartier que nous travaillons en collaboration avec le groupe Custo. Pour leur permettre de redonner une seconde vie à ce complexe industriel, nous allons vous présenter aujourd'hui la démarche que nous entreprendrons prochainement pour apporter des modifications d'usage dans ce secteur. Ces derniers vont permettre au groupe Custo d'aller de l'avant dans leur projet. Tous les détails vous seront donnés dans les prochaines minutes. J'aimerais également mentionner que la ville de Magog reconnaît le volet patrimonial du site. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un PIA, le PIA 29, a été appliqué pour l'ensemble de ce complexe textile. Ce PIA vise entre autres la mise en valeur du complexe industriel,
une meilleure ouverture et un lien plus étroit avec la rivière Magog et le quartier des Tisserands, et des aménagements paysagers de qualité qui mettront en valeur les bâtiments à caractère industriel. C'est une orientation qui est très claire pour nous et partagée par le groupe Custo. En terminant, je souhaite mentionner, au nom des membres du conseil municipal, et nous avons 4 membres ici présents, Sébastien Bellaire, Samuel Côté, Jacques Laurendeau, Nathalie Laporte. D'autres membres vont probablement vous écouter en rediffusion ou en direct à la télévision. Donc, et au nom du conseil et en mon nom personnel, nous sommes très heureux de voir que les choses bougent dans ce dossier. Ce site historique est gigantesque, laissé à l'abandon depuis trop d'années. Il sera enfin mis en valeur. Son potentiel est extraordinaire. C'est un premier pas important pour la revitalisation du quartier des Tisserands. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, je vais repasser la parole à Mme Fortin. Bien, merci, Mme Pelletier. Alors, c'est à mon tour de céder la parole à M. Jean-François Poulin, qui va s'avancer au lutrin. Et puis, il sera secondé de M. Denis et Charles Custeau pour l'appuyer dans sa présentation. Bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous pour discuter d'un sujet qui est très intéressant, un sujet qu'on est très heureux de partager avec vous. Donc, je me présente, Jean-François Poulin. Je suis accompagné de mes patrons, Denis et Charles. Alors, ils vont pouvoir discuter avec vous au cours de la présentation. Peut-être un petit mot de salutation au départ. Oui, bien, en fait, si je peux me permettre... C'est un peu spécial d'être assis ici ce soir, mais on est bien heureux d'être là. Puis c'est un, comme Jean-François a dit, c'est un site extraordinaire. Puis je pense qu'on a des belles choses à faire avec ce site-là. Puis on est content que vous soyez là pour nous écouter. Et dans les faits, c'est nous qui sommes ici pour vous écouter. Donc on est bien heureux d'être là puis de pouvoir vous présenter où on en est dans ce projet-là, bien qu'on vous le verrez tantôt, ça fait pas beaucoup de temps qu'on a acquis le site, mais on est très actif et puis on souhaite que ça bouge, donc on veut redonner une seconde vie à ce super quartier, donc on est bien heureux de vous avoir et d'être ici ce soir. Mais c'est un secteur qui a plus que 125 ans d'histoire. Et puis, si on se rappelle, il y a déjà eu 2200 employés qui travaillaient dans les usines, alors que la population de la ville de Magog est de 3400 habitants. Donc, c'est majeur en termes de développement et d'apport économique que ces usines-là ont amené à Magog. Puis, on est heureux aujourd'hui de participer à la requalification du site, parce que malheureusement, dans les 10 ou 15 dernières années, les bâtiments ont été maltraités, entretenus au minimum, qui fait qu'ils se sont détériorés grandement. Donc, la première étape, c'est redresser la situation des bâtiments pour qu'ils cessent de se détériorer. Mais ce qu'on veut faire, c'est requalifier le site pour faire en sorte que dans 25 ans ou dans 125 ans, les citoyens et citoyennes de la ville de Magog réalisent l'importance d'avoir redonné vie en 2022-2025 à ce site-là. Donc, on va avoir 250 ans d'histoire, mais ce qu'on veut créer, c'est quelque chose qui va être mémorable, qui va être un rappel historique pour les citoyens et citoyennes de la ville de Magog, puis sur le plan économique, qui va être profitable aussi pour les citoyens et citoyennes de la ville. On vous remercie de votre accueil et de votre intérêt. Merci, M. Custeau. Merci, Charles. On va y aller avec la première diapositive. C'est un petit ordre du jour assez simple, hein? On va y aller en 3 points. On va d'abord se présenter. Certains d'entre vous, on s'est déjà vu dans d'autres projets à Magog. Certains, on se connaît très peu. Donc, c'est important aussi, puis ça évolue vite. Donc, Groupe Custeau a évolué vite aussi. Donc, on va se présenter. Par la suite, bien sûr, la vision de développement, le pourquoi on est ici aujourd'hui. Puis, certaines étapes qu'on aura à franchir ensemble, qu'on va discuter et partager. Prochaine diapositive. D'abord, pour se présenter, on va parler un petit peu du Groupe Custeau. Groupe Custeau, ben c'est les gens que vous voyez ici, mais c'est surtout une équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire beaucoup
d'employés quand même qui est dans divers domaines, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des gens en finance, il y a des gens en services juridiques, notaires, avocats, tout ça, mais il y a aussi des urbanistes, ingénieurs. On est aussi beaucoup assisté par plusieurs firmes d'ingénierie, des firmes de professionnels en environnement, etc., en arpentage. C'est tout un défi. On est fiers de créer des milieux de vie. On appelle ça, nous, on tente à ce que ça soit toujours harmonieux, innovateur et durable. C'est des objectifs qu'on se donne depuis plusieurs années. Notre territoire, Groupe Cousteau, on est à Magog, bien sûr. On est originaire de Sherbrooke. On travaille aussi Granby, Magog, Granby, Quaticook ou d'autres villes de la région d'Estrie. On développe aussi différents projets sur la rive sud de Montréal, entre Beauharnois et Sorel, le long de l'autoroute 30. On est présent aussi en Abitibi, ceux qui connaissent ça, ce coin-là, Val-d'Or, Rouyn, Malartic, ces belles villes-là. Ensuite, beaucoup aussi dans la région de Québec, donc la belle ville de Québec. Qu'est-ce qu'on fait, Groupe Cousteau? On n'est pas des entrepreneurs en construction. On va juste revenir à l'arrêt, si ça ne vous dérange pas, monsieur Daté. Parfait. Ce qu'on fait principalement, c'est de la mise en développement de terrain ou de sites. Un peu comme la Dominion Textile, bien, c'est un site qui est existant. On ne rouvre pas des rues, mais on va revoir le site, on va le bonifier, on va le développer. Aussi, par la suite, nous, on va trouver des clients, des locataires, des gens qui vont venir investir dans ce projet-là aussi. Et ensuite, on fait toujours une supervision des travaux au niveau architectural. Là, bien sûr, on parle d'un projet très, très bien défini, donc c'est un bâtiment patrimonial. Mais souvent, lorsqu'on fait des ouvertures de rue, bien, on a beaucoup de soucis d'intégration que les bâtiments pour que ça fasse des beaux quartiers harmonieux, innovants et durables. Prochaine... On est assez fiers de plusieurs projets. Au fil des dernières années, ça a bougé très vite. C'est pour ça qu'on sent qu'on a le potentiel pour venir développer ce gros bâtiment-là de la Dominion Textile. Au fil des années, environ 35 quartiers qu'on a développés un peu partout au Québec, des petits, des moyens, des gros, des quartiers dans des centres-villes, des quartiers dans des milieux naturels à protéger. Bref, beaucoup de défis. Plusieurs pôles commerciaux aussi qu'on a réussi à faire, des pôles mixtes souvent, hein, c'est la nouvelle tendance, donc de mixer le résidentiel, le commercial, le public. C'est quelque chose qu'on est habitué de travailler. On a travaillé dans plusieurs projets de conservation, de boisés, de milieux naturels d'intérêt. Dans chacun de nos projets, c'est une des signatures. Et le bâtiment qu'on travaille aujourd'hui, c'est une requalification d'un bâtiment industriel, d'un bâtiment patrimonial, d'un édifice public, puis on a une expertise là-dedans, je vais vous le présenter. Le groupe Cousteau, c'est aussi une entreprise qui participe à la vie active des quartiers, des villes où ils investissent. Donc, depuis plusieurs années, Charles et Denis Cousteau ont soutenu grandement la fondation du CHU, qui est un organisme qui aide pour l'ensemble de la région de l'Estrie. On a tous à aller au CHU une fois de temps en temps. Il y a eu beaucoup d'aide aussi qui a été donnée au niveau sportif pour les équipes de l'Université de Sherbrooke. Peut-être le background de professeur d'éducation physique de M. Cousteau qui a fait en sorte que souvent c'est une aide financière, mais ça peut être aussi un aide pour des locaux, ça peut être un aide pour une multitude de choses. Et de nombreuses œuvres caritatives, bien sûr pour Moisson Estrie, exemple, ou plusieurs autres organismes. Alors, on a mis ici une image d'un exemple concret de soutien qui est peut-être, vous le connaissez, c'est l'école primaire La Roque qui est dans le secteur un peu plus défavorisé de Sherbrooke. Il y avait une cour asphaltée qui était assez noire, si on peut dire. Et le projet communautaire, on appelait ça de l'asphalte à la vie. C'est un super exemple. C'est un super exemple de parc, mais qui est accessible à toute la population. Fait que c'est quelque chose de très intéressant. Ensuite, au fil des dernières années, il y a eu beaucoup de soutien aussi par rapport aux logements abordables. Les logements abordables, c'est un incontournable. Au fil des 8 dernières années, Groupe Cousteau a participé vous avez différents projets qui sont ici, pour toutes sortes de logements, des coopératives, l'Office municipal d'habitation, des logements à prix plus modique,
mais aussi des projets innovateurs, des projets de condos coopératifs et aussi un projet de mini-quartier. Donc, c'est toujours dans un esprit de collaboration qu'on est prêt à offrir des terrains, des sites et de mixer les usages. On croit beaucoup à cette mixité des usages-là, au niveau des gens, mais aussi des types de logements. C'est un défi pour l'ensemble des professionnels qui font du développement immobilier. C'est souvent d'arrimer un peu les... On a tous quelque chose qui nous titille un peu plus, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit en ingénierie, en architecture. De réussir à mélanger tout ça, bien, c'est souvent ce qu'on appelle du développement durable. Ici, c'est un extrait du site web de Vivre en ville. Je vous invite à aller le voir. C'est vraiment intéressant. Puis, ce qu'on voit là-dessus, c'est qu'un projet comme la Demiane Textile, il n'y a pas juste le bâtiment, il y a aussi tout ce qu'on voit là, l'efficacité énergétique. On veut que ça, qu'il y ait du verdissement. On veut qu'il y ait des politiques publiques autour de ça, des orientations politiques. On veut que ça soit durable, le bâtiment. On a chacun nos idées, puis il faut tout regrouper ça ensemble. Fait que c'est pour ça que ça prend une multitude de professionnels pour en arriver à ce que ça fonctionne. Notre équipe, on a des défis sur le site de la Dominion Textile. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous définir tout en détail le projet actuellement, mais on peut le faire, puis on va en parler un petit peu des défis qu'on a. Au niveau environnemental, il ne faut pas se cacher, c'est un site qui est industriel. Donc, au fil des centaines d'années, on a un gros travail de déterminer là où il y a des choses à corriger. Il y a aussi des milieux naturels qui, il reste très peu de boisés sur le site. Il y en a un petit peu sur la rue principale. Il y a des bords d'eau qu'il faut préserver. Donc, on a des travaux d'analyse à faire. On a des discussions à avoir avec le ministère de l'Environnement. Il y a des bandes rivières qui n'existent pas. Il y a un très bon travail au niveau environnement. Îlot de chaleur, on sait c'est quoi, hein? Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis ça, c'est plutôt l'aspect environnemental qui comprend un paquet de points. Au niveau social, on a d'autres défis au niveau social, c'est-à-dire qu'il y a des besoins. Il y a des besoins dans la population, il y a des besoins pour des clients qu'on démarche aussi, pour des commerces. On a aussi des politiques publiques ou des orientations politiques au niveau social qu'on veut mettre dans ce projet-là. On a à gérer aussi différents enjeux de voisinage. On sait que ce bâtiment-là, quand il va prendre vraiment vie, ça va aussi rayonner sur le voisinage. Quatrième élément, qui est souvent quelque chose qui est un peu la base de nos premières réflexions, c'est l'aspect physique. Donc, souvent, l'ingénierie, la structure du bâtiment, l'architecture, tout ça, la gestion des eaux pluviales, la circulation sur le site, le camion de poubelle, le camion de déménagement, c'est toutes des choses qu'il faut arrimer ensemble. Je ne parle pas d'hydro, je ne parle pas des servitudes, puis tout ça, mais c'est tous des aspects physiques qui vont venir teinter le développement de ce projet-là. Et, bien sûr, l'aspect économique, c'est quelque chose qui est vraiment au goût du jour. L'aspect économique, on fait ça pour qu'il y ait des gens qui puissent y habiter à prix abordable, des gens qui puissent y avoir des commerces à prix abordable aussi. Il faut voir quelle typologie de logement on met là-dedans, quel lieu public on peut mettre là-dedans, et puis tout ça, ça coûte combien. Fait que ça, c'est tous des exercices qu'on a à faire. On a l'équipe professionnelle pour le faire, mais on va le faire aussi avec des gens parmi vous, puis aussi avec la ville de Magog. Notre expertise, Groupe Custo, par rapport à des bâtiments comme ça, on a un bâtiment similaire qui est à Sherbrooke. Hein? C'est les mêmes années. L'image que vous voyez là, c'est en 1937. C'est un bâtiment qui est très similaire à celui de Magog, qui est aussi un bâtiment de la Demian Textile. C'est souvent des bâtiments qui étaient au cœur des villes, mais qui ont besoin de transformation. M. Custo l'a dit tantôt, c'était le noyau économique du temps. Bien là, il faut vraiment que ça redevienne un noyau économique des prochaines années, puis du futur aussi. Puis on a l'espace pour le faire au cœur du centre-ville, au cœur de la ville. C'est vraiment un site, tout comme celui de Sherbrooke, qu'on va changer la prochaine diapositive. Les exercices qu'on a à faire, c'est une image de l'exercice qu'on est en train de faire à Sherbrooke. Il faut définir ce qu'on voit en haut à droite, c'est un plan d'ensemble. Donc, c'est où les espaces où on va faire nos choses. Mais aussi, il faut avoir des visions, il faut connaître nos bâtiments. On a un exemple ici d'une cheminée qu'on réussit à y en faire un site d'observation. On a déjà notre premier projet coopératif de logements sociaux dans ce projet-là. C'est toutes des choses qui vont germer au fur et à mesure, mais c'est des défis
Un peu comme à Magog, il y a des défis de contamination, de mixité des usages avec la gare, ce qu'on n'a pas ici. Ici, à Magog, je pense qu'on est vraiment prêt à ce qu'il y ait du mouvement rapidement sur ce bâtiment-là. On n'a pas une gare à déplacer. Par rapport à notre expertise en bâtiment, édifice public à transformer, M. Cousteau, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il travaille sur des projets similaires. Peut-être que vous vous souviendrez de l'ancienne usine Kaiser qui est à Sherbrooke, dans le Vieux-Nord. C'est une usine qui a été abandonnée très longtemps. Maintenant, c'est le Musée de la nature et des sciences qui est sur la rue Dufferin. Bien, ces projets-là, c'est des projets qui ont besoin d'élan, oui, d'investisseurs comme les Cousteau, mais qu'il faut trouver des usages. Eux ont réussi à trouver un musée. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, le bâtiment, bien, même si c'est coûteux à convertir, on réussit à le faire. On a d'autres projets qu'on a faits dans les dernières années à Sherbrooke. Vous allez les voir, c'est des bâtiments patrimoniaux, souvent des anciennes usines. Notamment, il y en a un qu'on appelle le Pattern Shop. C'est rendu un site à l'intérieur. C'est exceptionnel. Ceux qui y travaillent, c'est un peu à la Google, là. C'est vraiment des espaces super intéressants. Fait qu'on croit beaucoup à garder ce patrimoine-là, puis c'est très recherché par les locataires, ceux qui vont vouloir venir ouvrir des commerces dans le complexe. On a deux autres bons exemples de requalification d'un bâtiment industriel, puis un des plus importants, c'est les bureaux du groupe Cousteau. Groupe Cousteau a acheté, on appelle ça le couvent Marguerite Bourgeois, qui est à Sherbrooke. C'est un bâtiment qui a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années. On a réussi à convertir ce bâtiment-là pour faire les bureaux du groupe Cousteau, mais aussi 74 logements sociaux. Fait qu'il y a une belle mixité des usages, des occupants, puis c'est une belle requalification de bâtiments industriels. Il y a des défis. On sait qu'il va en avoir aussi dans le bâtiment d'Aluminium Textile, mais c'est des défis qu'on est prêt à relever parce que quand on va dans nos bureaux aujourd'hui, on est fiers d'avoir gardé ce patrimoine-là, puis on est fiers de ça. Il y en a qui se souviennent au centre-ville, à côté de la Maison du cinéma, le Bon Marché, là. C'est un bel exemple aussi de participation, de retaper un bâtiment. Ça, c'est King, Coin, Grande Fourche. Puis de garder son cachet patrimonial. On va parler maintenant, ça, c'est le tour de Groupe Cousteau. Je pourrais répondre à vos questions tantôt, mais on va parler plus précisément du projet d'Aluminium Textile. La vision de développement, bien, regarde, on voit un peu, c'est une photo, une orthophoto 2018-2019, ça ne change pas grand-chose, ça se ressemble pas mal, la photo aérienne. Moi, je trouve ça gris un petit peu. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer différentes personnes. Exemple, le collectif des tisserands qui nous ont partagé de l'information, mais on est allé en chercher un petit peu partout. Puis le quartier des tisserands, je pense qu'il est... Il est facile à intégrer. Il y a des gens qui ont fait des inventaires. C'est connu. On a plein de bonnes idées qu'on va pouvoir regrouper avec vous pour que ce ne soit pas juste le projet de Aluminium Textile, mais que ce soit aussi le projet du quartier des tisserands. Puis je pense que la Ville a cette volonté-là aussi au niveau de la rue principale puis du quartier. Beaucoup de sous ont été mis de ce côté-ci de la rue. Beaucoup de sous aussi un peu l'autre bord. Là, il faut réunir tout ça. Au niveau de la prochaine diapositive, c'est une donnée qui est importante parce que c'est une donnée qui n'est pas facile à travailler. C'est-à-dire que le site de l'Aluminium Textile, il y a trois propriétaires. Idéalement, il y en aurait un seul. Ce n'est pas le cas présentement. Donc, présentement, on a à ajuster trois visions. Il y a une vision que vous connaissez, qui vous a été présentée. Donc, ce que vous voyez là, en jaune, c'est les propriétés du groupe Cousteau. Ce qui est en bleu, c'est les propriétés de Sylvain Pomerleau et ses associés et où, je ne sais pas s'il y a des associés. Et puis, ce qui est en rouge, c'est Anahid Management. J'ai un peu misère avec la prononciation. Donc, on a trois propriétaires. On aimerait ça que tous ces gens-là puissent harmoniser la vision, puis c'est là-dessus qu'on travaille. Ce n'est pas toujours simple. Là, au moins, nous, on est propriétaires de chez nous. On a une belle collaboration aussi des autres propriétaires, mais il y a des choses à ajuster. Donc, moi, ce que je vais pouvoir vous parler ce soir, c'est ce qui est en jaune. Malgré que je sais très bien qu'il y a des éléments super importants dans d'autres parties du complexe, puis veut pas, va falloir s'harmoniser dans nos usages. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? C'est un tout, là. On va y aller avec la prochaine diapositive. Lorsqu'on a rencontré la ville de Magog,
puis toutes les villes, puis on est rendu là aujourd'hui, puis on a vu, vous avez sûrement remarqué dans les deux dernières semaines, il y a le gouvernement qui a décidé de sortir une politique sur l'architecture et l'aménagement du territoire. Au moins, ils ont sorti des grandes orientations qui sont l'urbanisme qu'on n'a plus le choix de faire. J'étais pour dire l'urbanisme de demain, là, mais il y a certaines urgences là-dedans. Toutes ces caractéristiques-là et objectifs, il faut qu'ils soient inclus dans la demi-année textile. Le premier, lutte contre les changements climatiques. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que la berge, il faut la protéger. Il faut faire des plantations, il faut verdir. Il y a beaucoup de travail pour répondre à ça. Préservation des milieux naturels, il y a de quoi faire sur ce site-là. Développement des services de proximité. On veut diminuer la dépendance à l'automobile, bien, il faut amener des commerces, puis un peu de vie, puis des emplois dans ce quartier-là. Promouvoir la mobilité durable, il manque des pistes cyclables, il manque des liens, les piétons, il faut que ça soit sécuritaire, îlots de chaleur. La ville, ça fait longtemps qu'il y a des infrastructures qui sont faites, qui ont été des investissements. Là, nous, il faut en venir à amener une plus-value à ce bâtiment-là, qui va amener aussi des ressources financières à la ville. Il y a aussi des objectifs que la communauté s'était donnés. Puis au fil du temps, c'est ça qui est intéressant dans ce projet-là versus d'autres projets qu'on a développés, c'est qu'il y a déjà une mémoire collective sur ce bâtiment-là. Il y a plein de gens qui sont venus nous parler de certaines choses précises qu'ils aimeraient voir émerger du projet. On en a nommé quelques-uns ici. Redynamiser le quartier. Bien, je pense qu'avec l'avenue de ce qu'on veut faire, avec l'avenue d'un promoteur qui ne veut pas laisser le bâtiment vacant pendant plusieurs années, nous, on l'a acheté pour faire quelque chose, ça va démarrer cette redynamisation-là du quartier. Redonner accès à la rivière. On s'entend tous, on est tous allés marcher là, une grosse clôture sur le bord de la rivière, pas trop, tu sais pas si tu rentres par la rue Moore ou ailleurs, c'est un peu... Il faut trouver une façon de redonner accès à la rivière. Boisé existant, il n'y en a pas bien, bien, mais il faut y garder, puis il faut verdir. Réaménagement de la rue, bien, c'est des choses qu'on se fait parler puis qu'on va pouvoir intégrer dans notre planification. Tout ce qui est transport actif, mais aussi circulation par rapport aux camions ou quoi que ce soit. Produits d'habitation, tout le monde aimerait que ce soit un bâtiment mix avec du résidentiel, des commerces et des emplois. C'est notre objectif aussi. Et puis, quand on parle de mixité d'habitation, c'est pas juste des condos de luxe, c'est aussi les trois strates, c'est-à-dire des logements pour tout le monde. Et aussi la diminution des nuisances. On a certaines nuisances qu'on s'est fait parler, puis on va travailler. Puis on l'a écrit, volonté commune, c'est vraiment de poser des gestes rapidement, puis des gestes concrets. Donc, on n'est pas là pour laisser le bâtiment se dépérir, puis un jour, il se passera quelque chose quand la plus-value montera, mais c'est pas le cas. On va être là, puis c'est ce que les gens nous ont demandé, pas juste parler, mais de faire des choses, puis que ça change assez rapidement. Donc, on a des mémoires qui nous ont été données, mais on a lu beaucoup de choses aussi. Maintenant, il ne m'en reste pas tant que ça, au niveau des considérants, dans ce projet-là, on a plusieurs choses qu'on n'a pas ailleurs nécessairement. La première chose, je l'ai parlé, c'est trois propriétaires. Quand on est boss de notre business, bon, on fait un peu ce qu'on veut, mais quand on est trois, des fois, on n'a pas la même vision. Fait qu'on a vraiment ce travail-là à faire pour être capable tantôt de vous présenter une vision commune. Puis c'est un peu ça que la Ville travaille à faire aussi avec les autres propriétaires. Peut-on tout le monde s'asseoir ensemble puis en venir à faire une vision? Parce que c'est sûr que les usages, il faut se partager. Il faut être complémentaire entre chacune des bâtiments. C'est des très gros bâtiments aussi à convertir. L'autre considérant que Charles en a parlé un petit peu, l'état du bâtiment, c'était pas comme on s'était fait dire, puis même les visites qu'il y a eu dans les années suivantes. C'est-à-dire qu'il y avait un gros travail. Par exemple, il y avait beaucoup d'infiltration d'eau depuis plusieurs années qui venait créer de l'humidité de façon non conventionnelle, si on peut dire. Il y a eu des infiltrations d'eau par les cheminées, il y avait un paquet de cheminées par les toits. Donc, il y a eu plusieurs investissements très rapides pour conserver ce bâtiment-là, notamment toutes les toitures. Il y a beaucoup aussi d'agrandissements qui s'est fait au fil des années. Fait que, est-ce que s'il y a un feu, on est capable de sortir de ce grand labyrinthe-là? Ceux qui y travaillaient, oui, mais ceux qui sont là aujourd'hui, c'est un peu difficile. Fait que, on a beaucoup de sécurisation à faire sur le bâtiment, des travaux,
pour que ça soit conforme au niveau incendie, pour que ça soit conforme au niveau des travailleurs puis des gens qui vont y habiter. On a des enjeux environnementaux. On a beaucoup de sondages à faire, que ça soit souterrain, pas simple. Ceux qui ont travaillé là, vous savez qu'il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de conduites sous ce bâtiment-là. On est vraiment en processus d'analyse, puis ça peut prendre au moins un an avant qu'on puisse savoir l'ampleur des dégâts par rapport à la contamination. Souvent, la contamination va aussi définir là où on peut mettre du résidentiel ou pas. Fait que ça fait partie des défis et des considérants. On a des milieux naturels on est en train de présentement de faire des relevés des arbres. Les bandes riveraines, déterminer la limite des hautes eaux officielles, c'est toutes des choses qu'on est en train de travailler pour pouvoir en venir à une présentation officielle d'un projet. On a aussi des besoins des gens, des gens qui nous ont fait part des besoins qu'on doit intégrer, qu'on va prendre en compte, et différents enjeux aussi qui viennent de la ville. La ville, elle a une réglementation d'urbanisme qu'elle veut harmoniser. Il y a le plan d'urbanisme qui est en révision. Ils ont une vision quand même, puis il y a une volonté. Puis ça, on est content qu'il y ait une volonté de la ville qui se passe quelque chose. La rue principale, est-ce qu'on peut partager si nous, on fait un investissement important? La ville a fait l'investissement, exemple, la bibliothèque. On peut-tu tout réunir tout ça puis faire aussi des travaux sur les rues pour que ça ne soit pas juste notre projet qui se bonifie, mais l'ensemble aussi du secteur. Bref, il y a beaucoup d'autres considérants. Vous avez ici l'image, c'est juste pour vous dire les plans. C'est impressionnant de voir les plans qui datent des années 1800, puis tout qu'on a réussi à rapatrier, puis de tout comprendre. Certains plombiers seraient très... je pense que ça serait du patrimoine. Juste les plans, c'est un certain patrimoine. On va y aller avec la prochaine diapositive. On a ici... c'est des images qui veulent dire beaucoup de choses. Je parlais qu'il y a des considérants... il y a le quartier des Tisserands, quand il nous reste un paquet de données. On voit ici une image là, de l'ancien canal qui passait sous le bâtiment. On a toute la trompe de Taylor, ça vous dit quelque chose? Nous, on a appris beaucoup de choses là-dessus. C'est vraiment intéressant. C'est possible de le mettre en valeur. C'est possible de le protéger à vie. On s'est fait expliquer une référence entre la bibliothèque, bien, l'ancienne église, et le bâtiment au niveau architectural. Il y a vraiment des références qu'on doit protéger. On a notre réglementation d'urbanisme aussi à réviser. Il y a beaucoup de défis dans la requalification des bâtiments industriels. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi, que ce soit le canal La Chine à Montréal ou dans d'autres villes. Donc, on est capable de consulter ces gens-là puis d'aller chercher des bonnes idées. Quand est-ce qu'on fait ça? Bien, on commence tout de suite. Et c'est déjà commencé. L'acquisition s'est faite par le groupe Custo le 27 novembre 2021. Fait que ça fait pas très longtemps. Donc, depuis 2021, c'est vraiment réparation urgente, sécuriser le bâtiment et puis l'entretien du bâtiment aussi. Vous allez voir au fil de l'été, il y a des choses qui vont s'améliorer. Là. Quand on passe là, ça a l'air encore de quelque chose qui doit être nettoyé et tout ça, mais c'est ce qu'on s'apprête à faire. Deuxième chose qui est importante pour les gens qui y travaillent, puis les gens qui vont y travailler, puis les clients qu'on veut aller chercher, c'est d'avoir un règlement de zonage qui autorise les usages qu'on veut y faire dans le bâtiment. Donc, il y a des usages qui sont là actuellement qui ne sont pas reflétés dans le règlement de zonage actuel. J'imagine que lorsque le règlement de zonage a été fait dans le temps, c'était pour s'assurer que le promoteur vienne parler avec la ville. Il y a eu d'autres outils d'urbanisme qui se sont appliqués depuis, notamment le PIA que Mme la mairesse a parlé. La ville a tous les outils pour que, lorsqu'on aura à aller chercher un permis, qu'on puisse vraiment s'assurer que tous les objectifs qu'on s'est donnés, qu'on puisse y tenir compte. Donc, le règlement de zonage, c'est principalement au niveau des usages qu'on a une révision à faire. Il y a un gros travail aussi à court terme pour rendre le bâtiment conforme. Je n'ai parlé un petit peu tantôt, mais tout ce qui est notion incendie, sécurité, issue, ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail des parties, puis on ne veut pas démolir les bâtiments non plus sans avoir l'expertise patrimoniale des parties du bâtiment, puis même une expertise souvent en ingénierie, en structure, en électricité du bâtiment. Pas simple, simple. Mais c'est des choses qu'on fait vraiment à court terme. 2022-2024, qui est la troisième étape, cette étape-là, c'est de réussir à réunir les trois propriétaires puis de s'entendre. Parce que si nous, on met plein d'investissements de notre côté puis qu'il ne se passe rien de l'autre bord,
Bien, il y a certains bâtiments qui cachent la vue. Il y a certains bâtiments qu'on aimerait ça qu'il y ait une collaboration. Il y a des servitudes. Il y a un paquet de patrimoine juridique en arrière de ce bâtiment-là. Chacun se donne un petit coup de main pour passer un camion. Mais si on veut faire quelque chose qui va être intégré, qui va être intéressant, il faut réussir à se parler. Fait que ça, c'est un défi que mes patrons et certains gens de l'équipe, un gros défi. Puis je pense qu'on va le réussir. Ça va nous permettre vraiment de bonifier ou de mettre en commun nos études, puis de réussir à proposer quelque chose qu'on va pouvoir réalistement réaliser. Ensuite, 2022-2024, vous comprendrez que c'est tout 3 ans. Je ne parle pas qu'il ne se passera rien pendant... C'est vraiment dans les 3 prochaines années, on s'en vient avec quelque chose. Donc, la planification détaillée, lorsqu'on va réussir à s'entendre tout le monde, il faut en venir avec une planification détaillée qui va souvent sortir les axes de circulation, tout le transport actif, le parc qui va être loué. Il y a des projets publics, il y a des projets intéressants qui pourraient être mis dans ce bâtiment-là, pas nécessairement dans notre section à nous, mais dans d'autres sections aussi. Alors, ça va nous aider à faire cette vision-là stratégique. La Ville est en train de réviser ses outils réglementaires aussi, fait que ça va pouvoir tout ça être intégré dans la réglementation. Et puis, l'étape 5, mais qui est une étape qu'on fait déjà, c'est de tenter à réaliser certaines étapes de ce projet-là dès maintenant. On a des objectifs à court terme de nouveaux commerces. C'est quelque chose qu'on travaille vraiment à court terme. Le parc aussi, l'accès à la rivière, c'est un travail vraiment à court terme. Et puis de parler avec la Ville pour la rue principale. C'est pas juste de mettre des trottoirs, mais il y a des enjeux avec hydro. Il y a des enjeux avec des élargissements de la voie publique pour si on veut faire quelque chose. Fait que à court terme, on a déjà des devoirs pour qu'il y ait une transformation qui puisse se faire de façon harmonieuse, durable aussi, parce qu'on veut que ça soit fait pour longtemps, puis que tout le monde en soit fier longtemps, puis innovant, parce qu'on a affaire à attacher bien plein de monde qui ont des bonnes idées pour que ça marche. Puis des fois, on arrive devant un défi, mais c'est quand on a des bonnes idées qu'on réussit à passer ces défis-là. Le site, pourquoi on l'a mis en jaune, c'est simplement pour vous illustrer les défis un peu qu'on a. On voit qu'il y a des bâtiments qui sont tout près de la rivière. Certains ne nous appartiennent pas. Il y en a d'autres que oui. On a quand même des gens qui habitent tout près, qui sont collés sur le site. Il y a un petit bout de rivière, de forêt qui est encore disponible. C'est assez gris. Donc, on va mettre un petit peu de couleur là-dessus. Peut-être de façon générale, vous expliquer les défis qu'on a. C'est, oui, on veut conserver des emplois. Fait qu'il y a des bâtiments, vous les connaissez souvent très bien aussi, il y a des bâtiments qui ont un patrimoine plus grand que d'autres. On s'entend que les bâtiments les plus intéressants, il y en a qui les connaissent par les chiffres, le 11, le 15, le 16, le 17, c'est les bâtiments qui sont sous l'image qui est en jaune. Ce qu'on voit, nous, ce bâtiment-là, c'est le secteur où on pourra y mettre une mixité d'usages. Donc, on pourra y mettre du résidentiel, des commerces, des bureaux, vraiment un milieu de vie. On a un autre secteur qui est plus industriel. Est-ce que ces lignes-là vont changer? Je le souhaite. Je souhaite que la ligne jaune s'agrandisse aussi. Est-ce qu'il y a des espaces pour des espaces verts? Bien, des espaces verts, il y en a très peu, mais il y en a. Puis, ils sont à la bonne place, ils sont sur le bord de l'eau. Fait que, est-ce que ces lignes-là vont changer de place? Oui, mais ce qu'on veut, c'est des espaces verts, un pôle d'emploi, puis un pôle mixte. On va y ajouter d'autres petits objectifs. Vous allez voir, on parle juste de notre propriété, hein? Mais je pense que vous avez vu d'autres propriétés, d'autres projets. De notre côté, quartier redynamisé, on s'entend, la bibliothèque, il y a eu un excellent travail qui a été fait. Il y a quelqu'un hier qui m'a dit que c'était une des plus belles bibliothèques pour quelqu'un qui aime beaucoup les bibliothèques, puis surtout que son système de classement est exceptionnel. Je trouvais ça... J'y ai demandé pourquoi, mais elle m'a dit, quand tu vas à la bibliothèque de Sherbrooke, tu te pars automatiquement, mais tu viens à la bibliothèque de Magog. C'est fait, c'est bien simple. Donc, notre quartier, on va le redynamiser, préserver le patrimoine. On s'entend tout le monde, là, les bâtiments que vous connaissez, qui sont en briques rouges, bien, ils vont rester là, puis ils vont être remis au goût du jour. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on peut densifier? Il y a bien du terrain là. On a notamment des grands anciens stationnements. Est-ce qu'on peut refaire quelque chose? Oui. Je suis sûr qu'il y a des espaces disponibles, notamment plus près de la rue principale, devant ces bâtiments-là. Il va falloir que ça se fasse de façon harmonieuse, architecturalement intégrée. On aura le temps de s'en reparler. On n'est même pas à dessiner ces choses-là maintenant.
Offrir des produits d'habitation, on en a parlé. Développer des services de proximité, bien, c'est là. Comme vous voyez, nous, la cour intérieure, il y a certains bâtiments, on va vous montrer des images tantôt. C'est vraiment propice à un marché ou à pas quelque chose vraiment intéressant sur le site. Offrir des emplois. Soyez sûr que les emplois qui sont là, on veut qu'ils soient conservés, on veut qu'ils soient bonifiés. C'est des questions qu'on s'est fait poser. N'ayez crainte, ces gens-là ont encore leur emploi, puisqu'il y a quand même tout près d'une centaine d'emplois, puis c'est très peu pour la grosseur des bâtiments aussi. Donc, il faut réussir à harmoniser tout ça. On voit d'autres images ici, on a souligné, mais tu sais, l'espace-parc que je vous parlais, est-ce qu'on peut prolonger la rue Moore pour vraiment en faire un site accessible, ouvert à tout le monde? Je pense que ça peut être une bonne idée. La cour intérieure, d'enlever un peu d'asphalte puis de verdir. Le long des propriétés existantes, y a-tu moyen aussi d'ajouter du verdissement puis de gérer un peu les nuisances? Même chose, y a une petite forêt qui est une petite forêt. On pense que ça a l'air d'un gros cap de roche, mais les ingénieurs m'ont dit que ça a peut-être juste 15 pieds de haut, mais on dirait que c'est un gros cap rocheux. Mais il faut réussir à le mettre en évidence, ce petit boisé-là. Tout ça, ça va nous aider, bien. Changement climatique, îlot de chaleur, puis tout ça. Des toitures blanches, juste des toitures blanches sur des grandes surfaces comme ça, ou qu'on puisse y intégrer aussi peut-être d'autres éléments qu'on travaille très fort, soit de l'agriculture urbaine ou des toits verts. C'est des espaces exceptionnels que je pense qu'au fil des prochaines années, on va pouvoir utiliser, et non pas comme un gros carré noir, mais comme un gros carré vert sur les toits. On met des dessins qui sur des choses qui ne nous appartiennent pas, mais nous, on voit vraiment un lien entre la bibliothèque puis notre bâtiment principal, puis le bâtiment de Sylvain Pomerleau, puis ce qu'on veut en faire de ce côté-là. Il y a plein de possibilités. Des investissements aussi au niveau de la rue, prolongement des rues, oui. Promouvoir la mobilité durable, parce qu'il faut réussir à boucler vélo-piéton. Idéalement, on peut avoir un réseau cyclable à même notre site lorsqu'on pourra s'entendre avec les voisins. Traverser de l'autre bord de la rivière, il y a plein d'idées. S'assurer que tout ce qu'on va faire va être accessibilité universelle aussi. Ça, c'est très important. C'est un défi qu'on a souvent avec les clients ou les constructeurs. L'image que vous aviez vue lorsqu'on vous a partagé de l'information, c'est une image qui est pour nous une des premières étapes. Donc, on n'a pas cette image-là pour tous les bâtiments. Ça se fait assez facilement, mais on a un arrimage, exemple, à faire avec Sylvain Pomerleau de l'autre côté. On a un arrimage à faire avec la ville, mais ce qu'on voit là-dessus, c'est une architecture qui est intéressante, qui va être mise en évidence, du verdissement, transport actif, piéton, vélo, traverser la principale de façon sécuritaire. C'est là qu'on s'en va. On s'en va vers un beau noyau. Une nouvelle intersection puis un nouveau projet. L'autre diapositive, il me reste 2 minutes, c'est des projets qu'on travaille de façon prioritaire. Tantôt, je parlais de l'accès à l'auberge. Il y a un hangar qui est là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Il y a des différents espaces. L'agriculture urbaine, on est déjà à proposer des superficies, d'essayer d'aller chercher des clients qui vont faire en sorte qu'on va être capable de développer ça. En Estrie, on a une très belle expertise au niveau de l'Université Bishop pour de l'agriculture sur les toits. On va faire aller nos contacts pour que ça puisse se faire aussi sur nos bâtiments. Puis, ça serait bien que ce qui pousse en haut puisse être vendu en bas aussi. Fait que c'est des objectifs qu'on s'est donnés. Ici, c'est en passant, les 3D que vous voyez, c'est les bâtiments réels. C'est vraiment c'est une image qu'on est en train de modéliser en 3D. Il y a des drones qui sont allés aussi pour modéliser au corps de poêle du bâtiment. Ce qu'on voit ici, c'est de la cour intérieure. Ce qui manque là-dedans, là, c'est des commerces, des marchés, des quelque chose, des gens qui vont aller vivre cet espace-là. Puis c'est drôle, c'est à l'intérieur. Personne ne voit ça actuellement. Fait qu'il faut l'ouvrir. Puis quand on regarde cette photo-là, bien, il y a un bâtiment, mais ça serait le fun que ça soit la rivière. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. Dernier exemple. Bien, il n'y en a pas, mais cette image-là, on l'a choisie parce qu'il y avait du monde. Puis ça avait l'air le fun. On trouvait que c'était une rue vivante. Puis c'est ça qu'on veut faire aussi. Vous avez mes coordonnées ici. Le site web du groupe Cousteau, vous avez les coordonnées de tout le monde.
Ce qu'on veut aussi, c'est d'avoir une relation de confiance avec vous, avec les élus, avec la fonction publique, d'essayer d'arrimer tout ça. Je pense qu'on va réussir parce qu'on est là pour vous écouter puis partager nos idées, puis de aussi prendre tous vos idées. On a l'espace pour le faire. Si on peut s'entendre entre propriétaires aussi, puis avec la ville, bien, on a un projet qui est vraiment super intéressant. Je ne sais pas si les patrons ont quelque chose à dire de plus. Ça va? Non, je pense que tu as très bien résumé. Alors, ça résume la présentation. Merci. Ça fait plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup, M. Poulin. Alors maintenant, j'inviterai Mme Véronique Anger, directrice planification et développement du territoire à la Ville de Magog, à vous expliquer les modifications à venir au niveau du règlement de zonage. Donc, bonjour, chef. D'abord, à vous remercier de vous être déplacé ce soir pour participer à cette séance d'information. Et je tiens particulièrement aussi à vous remercier de vous être déplacé pour bien expliquer votre vision. Lorsque le groupe Pusteau a présenté sa vision, c'est en lien avec les grandes orientations de la ville de Magog. Soit on parle au niveau de l'accès à la rivière, de logements abordables, de préservation du patrimoine bâti culturel et de redonner vie à ce secteur, donc de redonner ses lettres de noblesse. Comme vous avez entendu, il y a plusieurs étapes et des jalons à franchir afin de s'y rendre. Donc, ce n'est pas demain matin, mais on a de petits et de grands pas à franchir. Le premier pas, ou plutôt le prochain pas, c'est la modification du règlement au niveau des usages, parce que, comme vous l'avez entendu, les projets et la vision nécessitent une mixité d'usages tout en assurant une cohabitation. Donc, la façon dont la ville veut fonctionner, c'est d'agrandir la zone à la prochaine diapo. Prochaine diapo, voilà, merci. Donc, c'est d'agrandir la zone que vous voyez, la FJ09CR, qui est à gauche, jusqu'à la FJ22R. Donc, on va agrandir cette zone-là pour en créer une seule et grande unique. Les impacts que ça a, c'est principalement au niveau de l'habitation, donc au niveau des usages de l'habitation. Prochaine diapo. Donc, actuellement, les usages au niveau de l'habitation, c'est principalement de l'unifamilial ou du bifamilial, donc c'est de très faible densité. La ville de Magog, pour réussir à réaliser la vision, veut étendre ou plutôt annuler ces usages-là pour permettre une plus grande densité au niveau de l'habitation, donc principalement du 9 logements et plus, la résidence privée d'hébergement et les services personnels et professionnels. Au niveau des usages commerciaux, on veut conserver tous les usages qui sont à prochaine diapo. On veut conserver tous les usages commerciaux qu'il y a dans la zone actuelle FJ09CR. Il n'y en a actuellement pas dans l'autre zone, donc on va conserver la majorité d'entre elles. Donc, vous voyez, ventre au détail, des activités récréatives, culturelles, restauration rapide, mais sans service à l'auto. Services personnels, coiffeurs, esthétiques, écoles privées également. À cela, nous allons ajouter des usages supplémentaires, donc des activités sportives, récréatives, extérieures, services de traiteur, bureaux d'entrepreneurs, promoteurs et développeurs, spa, centre de santé, soins personnels, stationnement privé, activités artisanales, légères et lourdes, et bureaux d'entrepreneurs. Donc, vous voyez qu'il y a certains usages, il y en a trois sur cette diapo-là, qui ont des petits points d'exclamation, c'est qu'on va ajouter des usages conditionnels pour s'assurer de la cohabitation des usages. Par la suite, au niveau des usages classification publique et institutionnelle, on va conserver tous les usages qui sont permis dans la zone FJ09CR pour l'agrandir à la nouvelle zone. Pour les autres usages qui sont industriels, on va ajouter deux nouveaux usages qui sont les établissements industriels sans entreposage extérieur avec des usages conditionnels, ainsi qu'entrepôts, mais également avec des usages conditionnels. Les usages conditionnels seront évalués selon des critères qui passeront par les processus réguliers à la ville de Magog. Donc, on ne permettra pas de l'entreposage extérieur et tout ça pour assurer une saine cohabitation. On va limiter la proximité des usages contraignants avec certains usages sensibles,
favoriser des entrées distinctes dans le bâtiment et les des entrées distinctes dans le bâtiment pour les usages contraignants. On va restreindre l'accessibilité aux aires de stationnement aux usages sensibles. On va limiter l'impact quant au climat sonore et l'environnement olfactif parce qu'on veut vraiment s'assurer qu'il y a un bon milieu de qualité de vie. Et on veut limiter les impacts négatifs des aires de chargement et de déchargement, ainsi que dans les conteneurs de matières résiduelles. Les prochaines étapes au niveau des échéanciers, donc ça va être vraiment de présenter la modification du règlement le 4 juillet prochain au Conseil municipal. Il y aura par la suite une assemblée de consultation citoyenne le 30 août. Donc, étant donné la période estivale, l'assemblée citoyenne sera reportée au 30 août. Par la suite, il y a le deuxième projet de règlement et l'avis de motion qui sont présentés au conseil municipal. Tout ça pour adoption 3 octobre et adoption par la MRC pour avis de conformité le 6 octobre prochain. Donc, c'est sûr, c'est des tableaux d'usage un peu moins intéressants que les schémas conceptuels que M. Poulin vous a présentés, mais c'est quand même un jalon qui est requis pour atteindre justement la vision de développement du groupe Custo qui se fait en étroite collaboration avec la ville de Magog. Merci. Merci beaucoup. Alors, on serait maintenant rendu à la période de questions. Nous avons prévu une heure, comme je vous le disais, en début de soirée, donc nous devrions terminer aux alentours de 20h20. Alors, on aime bien travailler avec une charte de participation quand on fait ce genre d'exercice-là. Donc, ça nous permet de nous engager autant participants que facilitateurs pour permettre un bon déroulement de la soirée. Donc, on va les voir apparaître à l'écran à la prochaine diapo. Donc, je vous invite dans les prochaines minutes à vous écouter les uns les autres, à arriver à mettre entre parenthèses l'intérêt individuel qu'on peut avoir à l'occasion au profit de l'intérêt collectif. Si vous faites partie d'un groupe, on vous invite à vous nommer un représentant qui va pouvoir prendre la parole au nom de tous. On va vous demander également d'éviter d'applaudir ou de huer. Je vous demande également d'être concis dans vos interventions. Nous sommes relativement nombreux ce soir, donc on vous demande de respecter le temps de parole qui vous est alloué, qui est de 3 minutes par personne. De mon côté, sur la prochaine diapo, je m'engage à faciliter la participation de toutes et tous dans un esprit de neutralité et d'écoute, puis d'agir de façon équitable et respectueuse envers vous tous, toujours dans le but d'obtenir une diversité de points de vue. Alors, ceci étant dit, la parole est à vous. On est prêt à prendre nos premières interventions. Mon Dieu! Ne soyez pas gênés. Nous n'avons pas de questions. Allez-y, madame. Si vous avez plus d'une question, je vous inviterai à toutes les poser. Puis nous, on va les prendre en note, puis on va vous répondre tout de suite après en bloc. Ça vous va? Simplement vous nommer, puis... Donc, Caroline Niquette. Premièrement, je voudrais remercier la Ville de Magog d'offrir cette séance. C'est vraiment apprécié. Je voudrais aussi remercier le groupe Cousteau là, d'offrir de votre temps. C'est vraiment... je trouve ça intéressant. Moi, je suis pas de la... Bien, c'est tout nouveau, là. Ça fait 3 ans que je suis ici. Donc, je trouve ça le fun de faire ce type de projet-là. Je suis très heureuse d'entendre parler de l'agriculture urbaine. Je voulais juste être sûre que vous aviez vraiment quelqu'un qui s'occupait de ce petit volet-là. Je ne sais pas si les toits peuvent supporter les serres sur le dessus, mais à l'intérieur, il y a de très grandes possibilités d'avoir des serres verticales, donc d'avoir toute une économie circulaire, d'offrir des emplois. Fait que je voulais vraiment m'assurer que ce volet-là allait être, pas exploité, mais regardé. Parce que dans le quartier, on a 2 organismes communautaires qui font de l'agriculture urbaine. Donc, ça serait des beaux partenariats qui pourraient être faits. Donc, c'était ma petite... On doit refaire l'ensemble des toits des bâtiments, parce qu'ils ont été détériorés au fil des années, parce qu'ils ont été négligés. Et puis, on va faire des toitures inversées. Des toitures inversées qui sont plus dispendieuses que des toitures régulières, mais qui nous permettent de faire de l'agriculture. C'est ça. Donc, ce qui a été fait sur les bâtiments, notamment... Bien, 8, ceux qui connaissent les bâtiments 8, donc c'est des toitures inversées. Puis effectivement, au niveau intérieur aussi, on a regardé, puis au niveau des capacités portantes, on est en train de faire les études. Mais oui, effectivement, à l'intérieur, on a aussi rencontré certains,
groupes qui avaient des intérêts à faire des, de l'agriculture urbaine intérieure. Là, puis il y a vraiment des choses exceptionnelles qui se font. Puis je pense que le site est, est super. Donc, on est vraiment là. Puis on, ce qu'on fait actuellement, comme Jean-François dit, a dit tantôt, c'est qu'on se met à... On se met en état pour pouvoir faire, faire certaines choses. Puis au niveau des toitures, bien évidemment, on a planifié que fallait les refaire, puis on ne pouvait pas attendre de savoir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on va ou qu'est-ce qui va se passer sur le toit, mais on s'est donné le maximum de latitude. Donc, une toiture inversée qu'on peut marcher dessus, qu'on peut installer des serres ou quelques appareils que ce soit, contrairement à une toiture standard qui ne nous permettrait pas ça. Donc, on se met en état pour pouvoir faire ça. Parfait. Les partenariats, par contre, que vous offrez, ça, c'est très intéressant. On pourra peut-être s'en reparler. Parfait. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Bonsoir. Je suis Robert Renaud, du porte-parole du collectif du quartier des Tisserands. Ma première question s'adresserait à vous, madame, je vous m'excuse votre nom. Véronique Anger. Tremblay. Les changements de zonage que vous avez évoqués tantôt et les PIA éventuels, vont-ils être aussi pour, vont-ils viser aussi le 160 ainsi que le 250? Est-ce que, juste avant, est-ce que vous aviez d'autres questions, M. Renaud? Parce qu'on vous inviterait à toutes poser vos questions, puis ensuite, on va vous répondre. OK. La deuxième question, c'est en fonction des travaux éventuels. Jean-François nous a donné une idée des échéanciers tantôt. Là. C'est un peu large quand même. Là. Ça s'étendait de 2022 jusqu'à 2024. Dans les besoins immédiats, on sait, nous, qu'au niveau du quartier des Tisserands, il y a énormément de besoins. Déjà même... Le seul service qu'il y avait dernièrement, il y avait un dépanneur qui était juste en face de l'église Sainte-Marguerite et il vient de fermer. Juste un exemple type, là, que c'était à peu près le seul service public qu'on avait, là, de dépannage. Et puis, alors, il n'y a à peu près pas de service immédiat dans ce quartier-là et en général. Alors, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas moyen de créer des services, ne serait-ce que des services temporaires. Je pense comme par exemple à des marchés publics, un marché public, parce qu'il y a beaucoup d'espace encore de disponible avec un bon nettoyage. On pourrait quand même créer un marché public, donner un minimum de services au quartier des Tisserands et de dépannage, avoir des légumes frais, ne serait-ce que un peu de boucherie, un peu de popotes diversifiées. Alors, je ne sais pas si peut-être il faudrait peut-être penser à quelque chose à court terme. C'est le fun, là. C'est bien le long terme, tout ça. On sait qu'il va y avoir des études là, sur différentes études avant de bouger d'une façon permanente, mais donc peut-être essayer de penser à des différents services d'installation au moins temporaires pour desservir le quartier. Merci. Voilà. Merci. Alors, la première intervention concernait les modifications au niveau du règlement de zonage. Oui, M. Renaud, si vous voulez rester au micro, je veux juste m'assurer de bien répondre à votre question. Si on remet la carte de modification d'usage, vous m'avez mentionné s'il y avait le 250 et le 150. Le 160, ça faisait partie de l'analyse. C'est les deux autres propriétaires. Et les autres propriétaires. Est-ce qu'on peut remettre la carte? Je veux juste être sûre, parce que là, à l'écran, je ne vois pas la carte. Là, je veux m'assurer d'avoir la bonne carte. On parle de la carte avec les zones, hein? À la carte avec les zones, effectivement. Donc, c'est probablement une des premières diapos lors de la présentation, effectivement. Parfait. Donc, si vous voyez, ça comprend l'ensemble de cette zone-là. Donc, pour répondre à votre question, il y a le 250, il y a également les deux autres bâtiments, donc le 160. Parfait. On avait une deuxième question, par contre, de M. Renaud qui concernait les travaux à court terme qui est possible d'effectuer pour le secteur.
Bien, je pense, si je peux me permettre, entre autres, notre intention, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible. Là. Puis, justement, je pense que la modification du zonage va nous permettre de faire ce genre d'activité-là. Donc, effectivement, notre intention, c'est vraiment de le faire le plus rapidement possible. C'est un bâtiment qui est vacant, donc pour nous, on souhaite aller de l'avant. Évidemment, ça va se faire par phase, mais avec un phasage, je pense, qui est un peu naturel, là, commencer par ce qui est en frontage de la rue. Donc, on a le même souhait. Et effectivement, tout ce que M. Renault a parlé, c'est des choses qu'on voit très bien dans le bâtiment et qu'on veut avoir. Alors moi, je vous remercie bien de la réponse, mais c'est parce que je voudrais faire remarquer ce qu'il nous vient de dire. Là, moi, dans les dernières années, là, j'ai remarqué qu'il y avait 3 dépanneurs qui avaient fermé dans le quartier des Tisserands. 2 commerces que je connais, parce que ça fait juste 10 ans que je reste dans la région, ben, plus que 10 ans, depuis 2005. Une cantine, 2 magasins type, il y en a un autre qui est en cours, puis peut-être qu'il va réussir à se sauver. Il y en a probablement d'autres que je ne connais pas. Et donc, il y a un manque très, très important. On sait que dans la région, il y a un nombre important de gens âgés qui n'ont pas d'automobile, puis qui n'ont pas le moyen d'aller revirer l'autre bout de la ville pour aller rencontrer un médecin. Ça, c'est très important. Il y en a un certain nombre qui peuvent se promener en bicyclette, puis d'autres qui ont le moyen de se promener à pied. Puis il y en a d'autres qui peuvent se promener avec des triporteurs, mais le magasin pour les réparer, pour les vendre, il est fermé. Ça, c'est quand même important, là. Et l'autre chose que je ne sais pas si vous avez remarqué, des points verts, j'ai trouvé ça très bien, là. Mais dans la région, là, à partir de rue principale jusqu'à rue Brassard, il y a très peu de verdure. Très, très, très peu de verdure. Il commence à en avoir à la rue Brassard parce qu'il y a une école qui fait de la verdure. Ça fait du bien. Mais ailleurs, là, ça a poussé un peu à travers les lignes, un petit peu de cèdre à travers les lignes entre les maisons. Puis des fois, ça pousse un peu à travers les trottoirs. Ça fait que de la verdure, là, puis un parc, puis accès à la rivière, il en manque beaucoup. Ça fait que je trouve des choses intéressantes, là. Quand vous parlez d'agriculture, là, ça serait très intéressant s'il y en avait sur les toits, puis ça ferait du monde qui travaille peut-être en restant dans la bâtisse, puis en allant sur les toits, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé, là. Puis, il ne restait pas juste de Magog. Il y en a qui sont venus de la Beauce, sont établis sur les fermes autour. Puis, ils allaient travailler là, puis il y avait une petite ferme. Et ce passé-là, il est en frais de revenir. Depuis quelques années, le nombre de fermes commence à remonter. Il y a des petites fermes. Et ça peut revenir. Faire de l'agriculture sur des toits, là, comme les petites fermes se mettent à grossir. Donc, on comprend le besoin de commerce dans le secteur et de verdure. Est-ce qu'on avait quelque chose à ajouter? Juste un commentaire, c'est que, juste en termes d'image, suite à la présentation de Jean-François, quand on regarde le site, c'est un site qui a été pendant de nombreuses années clôturé. Les clôtures sont encore là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'il n'y ait plus de clôture. On veut qu'il puisse y avoir une appropriation citoyenne des gens du quartier pour venir dans le site, pour s'y récréer, s'y reposer et faire des activités. On pourrait faire des bâtiments de condos en bordure de la rivière, puis vendre les condos ou louer les condos. Ce qu'on a préféré faire, de concert avec les demandes de la ville, c'est, puis de concert aussi avec le collectif des Tisserands, c'est redonner l'accès aux berges au public. Donc, les îlots de verdure ne sont pas nécessairement nombreux, ils vont s'agrandir grandement puis ils vont être aménagés. En redonnant l'accès à la rivière, jusqu'à ce qu'il y ait un entrepôt qui est illustré, là, qui s'appelle la boîte à glace ou the Ice Box,
que dans le temps où ils prenaient la glace sur la rivière puis ils la mettaient là pour entreposer. Ce bâtiment-là il est conservé pour être réaménagé. Peut-être que ça pourrait devenir un bâtiment communautaire qui ferait partie du parc qui serait donné, cédé à la ville le long de la rivière. On le voit aujourd'hui, là, mais on a une bonne superficie du terrain qui est ultra contaminée. On peut pas, on peut rien faire. Donc, on va compenser par de la verdure au toit, par des zones de verdure qui vont nous permettre d'accéder d'un bâtiment à l'autre. Ça va changer drastiquement. Il faut vraiment voir l'appropriation du site par les citoyens à leur profit, qui habitent là ou qui n'habitent pas là. L'accès à la rivière va être là pour tout le monde. Puis ça va être un atout majeur, alors que pendant des années, et encore aujourd'hui, le site est clôturé. Les clôtures, il y en a qui tombent, là, mais si on a l'esprit de l'instinct de propriété qui se dit, bien, l'autre bord de la clôture, c'est à moi, ce côté-là, c'est à tout le monde. Mais nous autres, ce qu'on veut faire, c'est enlever la clôture puis rendre accessible l'ensemble du terrain à la collectivité. Puis, je suis désolée. Juste un petit, un petit dernier commentaire, si vous me permettez. Au niveau des commerces, le pari qu'on fait, quand on requalifie ce genre de site-là, puis on vous entend là, quand vous parlez des commerces qui ont fermé au cours des dernières années, bien, dans le fond, c'est d'essayer de créer le point d'ancrage, l'attrait principal pour que les commerces reviennent et que les gens reviennent consommer là. Donc, le premier bâtiment, en fait, qu'on veut requalifier, c'est le fer de lance, si on veut. Donc, c'est à partir de ça qu'on pense. Puis le pari qu'on fait, c'est qu'on va être capable de ramener des commerces. Puis parce que, tu sais, on parle de commerce, quand les commerces se ferment, souvent, des fois, ils peuvent ne pas être viables ou il n'y a pas assez d'achalandage. Donc, il faut créer cet achalandage-là. Donc, il faut vraiment arriver avec un projet hyper intéressant dès le départ pour être capable de faire vivre les commerces. Puis on sait que le secteur en a grandement besoin. Puis vous parliez aussi, dans un autre ordre d'idée, au niveau des emplois. Là, t'sais, Jean-François, il a affiché tantôt les couleurs. Donc, on veut vraiment garder un pôle d'emploi. Dans les nouvelles tendances urbanistiques, on a de la mixité, évidemment, mais il y a aussi des emplois. Donc, c'est important qu'il y ait des gens qui travaillent sur place. Donc, les gens qui sont là actuellement chez Softex et tout, là, c'est tous des emplois, évidemment, qu'il faut garder et qu'on veut garder. Donc, il y a une centaine de personnes qui sont là. Puis, il y a de la place pour avoir d'autres entreprises, puis d'autres usages à ce niveau-là. Donc, on veut vraiment des gens qui habitent là, qui consomment là, mais aussi qui travaillent là. Donc, ça complète. J'ai un dernier petit commentaire. C'est qu'on a eu le plaisir de rencontrer le collectif des tisserands de Magog. À quelques reprises, ils sont dotés d'une foule d'informations qui ont été d'accord à nous transmettre. Et on leur a demandé de nous faire les 5 recommandations ou les 5 choses qu'ils voudraient le plus voir dans le nouveau quartier, le quartier qu'on veut recréer. Ces 5-là, un, il y avait, entre autres, un espace pour un marché public. Bon, à ça, oui. Redonner l'accès aux berges aux citoyens. Les recommandations qui ont été faites, on dit, il y en a plusieurs, donnez-nous les 5 prioritaires. Puis on va s'attacher à ces 5 prioritaires-là, puis on verra subséquemment qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Ça, c'est engagé à faire ça, puis on va le faire. Merci. Oui? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Martin Dubé. Je suis citoyen du quartier. Et en même temps, ben j'ai aussi tendance à faire partie de la Société d'histoire de Magog. On est un petit peu les gens qui ont donné un petit peu d'informations à nos copains du collectif des tisserands, ce qui fait que la fameuse carte avec les numéros, c'est nous autres qui leur a fourni. En fait, ce que je voulais savoir, moi, je suis pas nécessairement très, très ferré au niveau de la construction puis de l'aménagement, ces affaires-là, mais ce que je regardais dans votre échéancier, c'est que les dernières étapes, les 3 dernières étapes, la phase 3, 4 et 5, c'était prévu pour 2022-2024, comme on a déjà la moitié de l'année 2022 de passé. Je me posais la question à savoir, ça, c'est-tu juste comme le temps que ça va prendre s'organiser avant de construire? Ou si c'est... parce que, à mon sens, me semble que c'est serré un peu pour toutes les étapes de mise en commun et de consultation de tout le monde. Et j'aimerais, dans le fond, peut-être pour m'aider à comprendre quelque chose, m'aider à comprendre les délais,
Disons que je suis une personne qui veut se louer un logement. Quand est-ce que je peux penser me louer un logement dans cette bâtisse-là? Peut-être que ça va nous donner une idée précise des échéanciers. On ne peut pas répondre pour les autres promoteurs qui sont peut-être en avance sur nous, parce que ça fait des années qu'ils sont actifs pour essayer de requalifier, revaloriser leur bâtiment. Nous, on est entrés dans la Ligue au mois 27 novembre. On est rendu au mois de juin. Donc, probablement, un des premiers bâtiments, ce sera probablement une coopérative d'habitation, puis un bâtiment avec du logement régulier. En termes d'échéanciers, on a vraiment, vraiment une phase importante de stabiliser les bâtiments pour qu'ils cessent de se détériorer, pour qu'on puisse faire quelque chose de valable avec ces bâtisses-là et le terrain aussi. Ça va prendre le temps, puis on n'est pas des lambineux. Généralement, quand on entre dans quelque chose, c'est qu'on agit rapidement. D'ailleurs, nos prédécesseurs n'ont pas agi, puis n'ont pas agi rapidement. Il y en a qui n'ont pas agi du tout. Aujourd'hui, on se ramasse avec des millions d'investissements pour corriger des bâtiments qui sont déficients. Quand on parlait tout à l'heure de la culture au toit, on a pris la décision de faire des couvertures, des toitures inversées, bien, le bâtiment 8A, qui est un grand bâtiment de 100 000 pieds carrés par étage, qui est en béton, avec des poutrelles de béton, la fois, quand on a visité, ça paraissait très, très intéressant. Mais quand on est venu pour donner les commandes, les contrats pour refaire les toits, bien, entre les poutrelles, entre les pilastres, bien, il y a un affaissement de la toiture en béton. Donc, il faut restructurer les toits pour faire en sorte qu'ils soient capables de supporter pas la toiture inversée, la toiture tout simplement. Okay? Parce qu'on avait trois entrepreneurs couvreurs de toiture. Aucun ne voulait que leur personnel monte sur la toiture de peur que la toiture défonce et en béton qu'elle défonce. Parce qu'il y a des poches d'eau qui se sont accumulées dans le centre. Et malheureusement, nous, on a acheté un bâtiment gitelé. Mais le gitelard ne marchait pas. OK? Mais... Bon. Puis les systèmes de sécurité ne fonctionnaient pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est remettre l'argent qu'il faut, puis c'est plusieurs millions, pour faire en sorte qu'on stabilise les bâtiments, puis qu'on stabilise le terrain. Après ça, la requalification des bâtisses, ça va se faire parallèlement. Ce n'est pas des choses qui se font un après l'autre. Ça se fait en même temps. On a des équipes qui travaillent sur chacun des volets. Notre intérêt, ce n'est pas de retarder. Retarder, économiquement, ce n'est pas intéressant pour personne, ni pour la ville, ni pour les citoyens, puis ni pour nous. Notre intérêt, c'est d'aller le plus rapidement possible, mais correctement. Puis, vous parliez de construction, là, mon père en a parlé un petit peu, mais elle est déjà commencée, la construction, dans le sens que les toitures sont tous en train d'être faites. Puis, c'est un grand bâtiment. On a enlevé les cheminées et toutes les sources d'infiltration. Donc, on est déjà en processus, comme il disait, de stabilisation. Mais parallèlement à ça, l'équipe de Jean-François et notre équipe au bureau travaillent la requalification du site. Notre souhait, là, pour répondre à votre question, c'est le plus tôt possible. Est-ce que ce sera juillet 2024? On le souhaite. Si ça peut être avant, on le souhaite aussi. Mais il y a beaucoup d'informations et de données sur le bâtiment au niveau technique à récupérer, ce qu'on est en train de faire depuis 6 mois. Mais je pense que depuis les 6 derniers mois, ça a peut-être bougé plus que dans les 6 ou 10 dernières années. Là, puis on s'engage à garder le même rythme. Puis tout ce qu'on fait actuellement, on le fait, bien, un, pour stabiliser l'édifice, le rendre conforme et sécuritaire. Mais dans les faits, c'est la base de la requalification, parce que tout ce qu'on fait va être... est utile, va être requis, puis on ne pense pas simplement à l'usage actuel, mais on le fait dans le cadre d'un usage futur. Donc, on aimerait beaucoup répondre à votre question, mais on se donne comme objectif vraiment de réaliser ça le plus tôt possible, puis je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, là, comme Denis disait. On est chanceux d'une certaine manière parce qu'on a un patrimoine humain vivant très intéressant. Des gens qui ont travaillé là, qui ont œuvré, qui ont travaillé toute leur vie là, qui connaissent les bâtiments et le site comme nul autre. Puis on n'a pas de plan.
Dans bien des cas, on n'a pas de plan. Il y a un tas de servitudes. On sait qu'il y avait des corridors souterrains, de circulation d'eau de la rivière pour soit faire fonctionner des machineries ou refroidir des machineries qui créent des problèmes. Si ces tuyaux-là percent, on va être en difficulté quand on va requalifier les bâtiments. Mais quand on commence, c'est à où qu'on rentre et où que ça sort. Bien là, c'est l'ancien plombier qui vient. Bien là, il dit, en 1900, on a fait un bypass, là. Ça passait par là, puis on a coupé. Maintenant, ça passe par là, puis c'est là. Personne, aucun des plombiers qu'on a fait, personne n'était capable de dire comment on fait pour régler le problème. Les anciens employés sont très disponibles. On veut construire une équipe de travailleurs contractuels, d'anciens employés, pour nous guider dans les choses existantes qu'on ne peut pas trouver ailleurs et qu'eux connaissent bien. Mais on a des découvertes à faire, puis on en découvre depuis qu'on a acheté. Depuis qu'on a acheté, ce qu'on découvre, ça fait juste coûter de l'argent. Est-ce qu'on avait une autre intervention? Bonsoir. Bonsoir. Luc Normandais, résident de Magog. Moi, j'avais une question. M. Poulin a parlé un petit peu tantôt. Vous allez avoir besoin de travailler en collaboration avec les deux autres copropriétaires, c'est-à-dire des autres parties du secteur, du district en tant que tel. Question hypothétique, qu'allez-vous faire si ces deux autres collaborateurs, ou c'est-à-dire propriétaires, ne veulent pas vous aider ou travailler ou investir, ou un des deux spécialement? Merci. Bien, en fait, je pense que dans les faits, notre site à nous, notre souhait et notre volonté, notre site, on va le développer d'une façon ou l'autre. Ce que Jean-François a tantôt mentionné, évidemment, c'est un quartier, donc on aimerait que le quartier... c'est tellement un grand secteur que le secteur complet s'arrime. En ce qui nous concerne, nos plans à nous vont continuer d'une manière ou d'une autre. Puis, M. Pomerleau a déjà entamé des travaux, il a déjà revitalisé un bâtiment. Donc, je pense que ça s'arrime très bien avec nos projets. L'autre propriétaire, on est un peu moins au courant, mais dans notre cas, là, je pense en réponse à votre question, c'est que nous, on va de l'avant de toute façon. Notre souhait, c'est vraiment que ce soit un ensemble global qui s'harmonise. Je pense que c'est le souhait de la Ville aussi, comme c'est le souhait de tout le monde. Mais dans notre cas, notre propriété, ce qui nous appartient, nous, on va faire on va faire notre job, comme on dit. Il y a en fait trois propriétaires, mais c'est pas... deux contre un, là. Il faut que ce soit trois ensemble. Mais on est capable d'avancer sans nécessairement qu'il y ait une harmonie parfaite entre les trois propriétaires. M. Pomerleau, ça fait une vingtaine d'années qu'on fait affaire avec, on le connaît très bien. Puis on sait qu'on discute, savoir une vision commune, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quant au troisième propriétaire, il y a des atouts qu'on n'a pas, qu'on en a qu'il n'y a pas. Si, par exemple, il veut faire des condos ou des appartements luxueux le long de la rivière, il est mieux placé que nous. Fait qu'on va y laisser ce volet-là. Puis on n'ira pas dans cette direction-là, on va aller dans une autre direction en termes de qualification des logements qu'on va créer. Parce que son site est peut-être meilleur que le nôtre pour faire du logement luxueux. Bon, mais on reconnaît, on le voit son site, là. On n'est pas les deux yeux fermés, là. On voit qu'est-ce qu'il peut faire avec, puis on n'ira pas dans les mêmes créneaux pour se compétitionner. Ce qu'on veut, c'est une complémentarité. Qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, il y a des volets qu'on sait qui devraient aller là, que si c'était nous qui étions propriétaires, c'est ça qu'on ferait avec. On pense que c'est des gens d'affaires qui vont faire la même chose. Oui, ça prend une vision commune, ça prend un partage d'informations, mais on est capable d'opérer par nous-mêmes. On n'attendra pas d'avoir... une harmonie parfaite, puis qu'on a la salle de noces ensemble. Là. On est capable d'opérer sans ça. Là. Est-ce qu'on a une autre intervention? Mon nom est Jacques Joubi. Je suis le dernier président de CS Brook. Oh. Alors... je tiens à vous féliciter, M. Cousteau, et vous remercier d'entreprendre ce projet colossal, qui ne sera pas facile, parce que réellement, il y a beaucoup de véhicules dans ces murs-là, puis il y a beaucoup de contamination aussi, comme vous le savez.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, le tissu de la société de Magog, soit que ce soit un médecin, un avocat ou un commerçant, soit que le parent ou le grand-parent ont passé du temps là. Fait que c'est un bel héritage que vous allez laisser. Alors, moi, j'en suis très reconnaissant pour avoir passé 45 ans là. Et je pense que la population de Magog va vous être très reconnaissante. Merci beaucoup. C'est gentil, c'est très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Juste en complément, on sait que la contamination, on parle souvent de la contamination en sous-sol, en souterrain. Il y a de la contamination à l'intérieur des bâtiments aussi. Ne serait-ce que, par exemple, la peinture, au fil des années, là, ben, quand on modernisait ce qu'on faisait, ben, on sortait le pinceau pour peinturer, mais il y a de la peinture avec du plomb. Puis, bon, cette peinture-là, ben, elle ne se qualifie pas aujourd'hui, il faut qu'elle soit enlevée d'une certaine manière, puis c'est dispendieux à enlever. Et c'est une étape qu'on a commencé à faire, qu'il faut faire. C'est la préparation du bâtiment pour lui donner sa nouvelle vie. Il faut le mettre conforme à la réglementation d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit, Jean-François a donné un échéancier. On aime mieux donner un échéancier qui va faire en sorte qu'on va battre l'échéancier qu'en donner un qu'on ne pourra pas respecter. Soyez assurés qu'on est là pour passer à l'action rapidement. Merci beaucoup. On a une autre intervention, quelqu'un qui a des questions pour un ou l'autre de nos intervenants. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Guylaine Doré. Premièrement, moi aussi, je voudrais vous remercier. Je suis dans le secteur depuis pas très longtemps, puis en voyant cette zone-là, je me disais justement qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour revamper ça. C'est vraiment un beau site, même si ça paraît pas en ce moment, là, mais je trouve que ça va apporter vraiment beaucoup au quartier ici. Donc, merci beaucoup d'investir dans ça. J'ai assisté à une réunion au mois de février sur le PIA. Puis, en discutant avec mon mari, on se demandait, parce que ça avait été demandé justement d'avoir des pistes cyclables. Puis, on se demandait si, premièrement, le train, il passe en arrière de cette bâtisse-là. Puis, deuxièmement, si c'est comme nécessaire. Peut-être que vous l'avez déjà envisagé. C'est une idée un petit peu farfelue, peut-être, là, mais on se demandait si transformer, dans le fond, cette traque de chemin de fer-là en piste cyclable, ça pourrait donner l'accès à tout le centre-ville. Théoriquement, puis en pratique, ce qu'on a discuté avec les gens à la ville, c'est qu'on voudrait qu'il y ait un circuit de transport actif de chaque côté de la rivière, puis qu'il y ait un lien entre les deux circuits de piste cyclable. Puis c'est possible de le faire. Puis sur une partie d'un terrain qui ne nous appartient pas, c'est toute l'infrastructure qui passe au-dessus de la rivière, qui autrefois a été utilisée pour faire la circulation des eaux grises et des eaux usées qui étaient traitées de l'autre côté de la rivière. Mais l'infrastructure est là, en béton, et puis avec une structure de métal. Il y aura certainement moyen de l'aménager à des coûts raisonnables, faire en sorte qu'on ait un point d'ancrage jusqu'au dessus de la rivière, comme une placette, un point d'ancrage de l'autre côté de la rivière sur le circuit existant, faire un lien de réseauter le circuit. Ça répondrait-tu à votre question? Oui, mais en même temps, ça, je sais c'est quoi le pont là, pour traverser l'autre côté, mais on se demandait, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a quand même des résidents qui sont près du train, puis j'imagine qu'on finit par s'habituer, là, mais je sais que c'est une idée farfelue puis qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être impliquées avec ça, mais en divergeant, dans le fond, le train ailleurs, ça pourrait créer un espace qui ferait la piste cyclable pour tout le long du centre-ville, vu que dans la rue principale, ça n'avait pas été aménagé par faute d'espace. Donc, c'est ça. Je sais que c'est farfelu, là, mais où on habitait avant, on a habité à Dallas. Puis c'était là. Toutes les questions sont bonnes. C'est bon. En tout cas, merci. Si je peux compléter, c'est qu'on envisage, la Ville a toujours eu un regard pour un élargissement de la rue principale
avoir une chaussée partagée ou une bande cyclable donc à proximité là, de la rue principale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours regardé. On attendait toujours qu'il y ait un initiateur donc dans ce grand site-là pour par la suite, là, de notre côté, qu'on soit en mesure là, de faire des travaux nécessaires. Il y a toujours le volet, là, M. Cousteau en parlait, ou même M. Poulin en parlait, pardon, le parc qu'il y avait, là, qui l'entrevoit sur leur site, bon, bien, peut-être aussi d'avoir un lien cyclable vers ce piste-là. Donc, c'est sûr que la mobilité active va être regardée tant par les promoteurs que par la ville là, pour s'assurer que le site là, soit accessible. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonsoir. J'aurais une question supplémentaire par rapport au zonage, au changement de zonage. Vous m'avez dit tantôt que le changement de zonage ne concernait pas le 160, là, tout l'ensemble du 160. Non, j'ai dit que le 160, si vous parlez de la dispo, c'est à l'intérieur. OK, juste à l'intérieur. Parce que on se rend compte, nous, cette année, que le projet d'Anaïde, on n'a aucun indice comme quoi le projet avance actuellement. Et on voudrait savoir, nous, si vous la ville, l'administration, avez des nouvelles à cet effet-là, à savoir s'il va se faire quelque chose cette année ou en échéancier éventuel l'an prochain ou dans les prochaines années. Parce qu'on n'aimerait pas revivre la même situation qu'on a vécu dans les 10 dernières années, qui a contribué à la détérioration de pas juste même du site industriel, mais aussi du quartier en tant que tel. Alors, on voulait savoir si vous avez une information à cet effet-là. Mais en fait, je ne peux pas vous assurer qu'il se passera quelque chose là, dans les 10 prochaines années, au niveau Bien, des étapes précises. Même dans l'immédiat, parce que même le site est plus ou moins sécurisé actuellement. Il y a des barrières qu'on voit régulièrement là, qui sont déplacées ou même enfoncées. Alors, on se demande, nous, ce qui se passe avec cette zone-là. Je suis un petit peu en dehors du propos, j'en conviens, là, parce qu'on est tellement encouragés, nous, par le groupe Cousteau, là, de ce qui se passe actuellement, mais on est un petit peu aussi inquiets de ce qui se passe de l'autre côté. On a eu affaire dans le passé à ces gens-là. Mais il faut dire qu'ils ont quand même fait beaucoup dans les dernières années. Les démolitions des bâtisses qu'ils ont faites, supposément parce qu'ils n'étaient pas sécuritaires, c'est un acquis. Le terrain et puis les bâtiments sont prêts à être redéveloppés, sont en avance sur nous. Maintenant, ils ont pris une pause, ils semblent avoir pris une pause temporairement, mais il reste qu'ils ont quand même réalisé beaucoup de choses depuis 2 ans. Depuis 2016, ils ont fait des acquisitions. Il ne s'est pas passé grand-chose. Là. Ils ont étudié longtemps pour en arriver. Puis ont regardé différents scénarios. On en a vu quelques-uns. Pour arriver aux scénarios qu'ils ont présentés à la Ville en 2021, puis ils ont agi en fonction du scénario qu'ils présentaient. Les bâtiments qu'ils ont démolis, c'est un plus pour l'ensemble. Même si on n'est pas propriétaire, c'est un plus pour nous aussi parce que c'est fait. Le site qui est prêt à être requalifié. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire, puis quand est-ce qu'ils vont le faire, c'est pas à nous à répondre à ça, mais il faut être reconnaissant de ce qu'ils ont fait à date. Par contre, je peux vous rassurer du fait qu'on est encore en contact avec le propriétaire, puis qu'on poursuit les efforts, justement, pour l'avancement de leur projet. Est-ce qu'il y a un projet qui a été présenté? Parce que l'ancienne administration précédente nous avait fait miroiter qu'il pouvait y avoir une présentation et que la présentation était imminente. Ça devait se faire l'automne dernier et ça ne s'est pas fait. On n'a pas eu entendu parler du tout de la requalification ou du projet de cette section-là. Vous vous souviendrez, il y a eu ça avait été présenté pour ce qui est de PIA là, par rapport au volet architectural du bâtiment du 3A. Donc, oui, effectivement, il devait y avoir une présentation qui soit faite pour la suite, mais présentement, comme Mme Angers vous dit, on est en pourparler avec le propriétaire. Donc, dans les prochains, d'ici l'été, c'est sûr et certain qu'il n'y aura rien là, qui va avancer par rapport à une séance d'information ou autre avec ce propriétaire-là. Merci.
Jean-Charles Blais. Moi, je vais préciser, quand il dit que les immeubles ne sont pas sécurisés, là, il y a ce qu'on appelle, nous, en langage québécois, les corniches, là. Mais ça a une utilité, ça. Vous demanderez à un ingénieur à quoi ça sert, une corniche. Ils ne sont pas sécurisés, puis ça va très rapidement, c'est tout le mur qui se détériore. Alors, lorsqu'il y a eu une séance qui expliquait qu'est-ce qui se faisait, il y avait des investissements qui ont été mis, et son lobbying nous a dit qu'il avait investi aux environs, on approche le 1 million. Puis, il y a des gens qui sont intelligents, puis ils regardent la construction, puis ils voient qu'est-ce qui se fait. Ils étaient rendus à peu près au milieu de ce qui avait été fait. Je dis le milieu parce que je ne rentrais pas à l'intérieur. Peut-être qu'il n'a pas investi 2 millions, là. Il a peut-être investi juste 1 million. Mais vous regarderez en arrière des évaluations que vous allez envoyer, il y a une obligation de refaire une évaluation. Deuxième question, quand qu'elle va être refaite? De quelle évaluation? Alors, la première question qu'il vous a posée, là, il y a une obligation de sécuriser sa bâtisse pour pas qu'elle se détériore. Effectivement. Occupez-vous-en, s'il vous plaît. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre intervention? Ça va? Est-ce qu'on a des questions sur les médias sociaux? Monsieur, il est hors d'ordre. Ça va? Ça ne regarde pas le projet de M. Rousseau. On est content. Alors, est-ce qu'on a des questions sur les médias sociaux? Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions? D'accord. Alors, c'est ce qui mettrait un terme à notre soirée. On espère avoir été en mesure de vous donner suffisamment d'informations, avoir été en mesure de répondre à vos questions également. La présentation de ce soir, tout va être déposé, là, de même que l'enregistrement, dès demain, sur le site Internet de la Ville de Magog, /cs-brooks. Vous avez également les coordonnées du groupe Custo là, qui vous ont été données, donc vous pourrez au besoin communiquer avec eux. Comme on vous a dit, au fur et à mesure de l'avancement du projet, vous serez tenus informés aussi. Il y aura des prochaines étapes de participation citoyenne. On vous remercie énormément d'avoir participé à celle-ci et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup à tous. Merci.